Salam alaikum. Exercice 03, toujours sur le calcul des équivalents, des limites par les équivalents. Ici, on va calculer 4 équivalents. Première question. Donner des équivalents au point indiqué. Logarithme n'est pas rien de 1 plus t carré au point 0. Deuxièmement, équivalent de 1 moins cos t au cube. En 0. Troisièmement, tangente 1 sur t en plus l'infini. Équivalent de exponentielle 1 sur t moins 1 en moins l'infini. Ce sont des exercices très très simples. On peut les considérer comme des exercices d'application de ceci, de ces propriétés. Alors, comme rappel, alors retenez bien, ceci, ce sont des équivalents. Usuel, log de 1 plus u est équivalent au voisinage de 0 à u, tangente u est équivalent au voisinage de 0 à u, 1 moins cos u est équivalent au voisinage de 0 à u au carré sur 2, exponentielle u moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à u. Alors ici nous n'avons pas toujours 0, ici nous avons 0, 0, mais ici nous avons l'infini. Donc, il faut ramener les deux questions, ou bien le problème ici. Il faut ramener le problème au voisinage de 0. Alors, ceci, c'est très simple. Alors, quand t tend vers plus l'infini, 1 sur t, il est maintenant au voisinage de 0. La même chose ici. Quand t tend vers moins l'infini, 1 sur t est au voisinage de 0. Donc, on peut appliquer ces règles ici. Alors, je commence ici, pour la première ici, log de 1 plus t carré. Alors, t au carré, quand t tend vers 0, t au carré, il tend aussi vers 0. Donc, j'écris ceci, tend vers 0. Donc, logarithme de 1 plus u, ceci, cette propriété, le u c'est t carré. Donc, est équivalent à u, donc est équivalent à quoi? À t au carré. Et voilà. Ensuite, deuxième exercice, la même chose, quand t tend vers 0, t au cube, il tend aussi vers 0. Donc 1 moins cos u, 1 moins cos u, il est là, 1 moins cos u est équivalent au voisinage de 0, voisinage de 0, a u au carré sur 2. Donc, ça va nous donner t au cube au carré sur 2. Ici, je l'écris ici, pardon. T au cube, c'est u. Donc, u au carré. T au cube au carré sur 2, ça donne comme résultat T à la puissance 6 sur 2. T au cube le T au carré, ça donne T à la puissance 6. Je passe à la troisième question, elle est aussi simple. Alors ici, le problème est ramené à 0. Alors quand t tend vers plus l'infini, t, celui-là, tend vers plus l'infini, 1 sur t, il tend vers 0. Donc dans notre cas, le u c'est 1 sur t. Ou bien vous pouvez faire un petit changement de variable, c'est pas grave. Moi, je calcule directement parce que nous avons fait beaucoup d'exercices, donc cette notion n'est plus difficile. Donc, j'écris, je choisis la couleur. Donc, tangente 1 sur t est équivalente au voisinage de plus l'infini. Tangente u est équivalent au voisinage de 0 parce que le u ici, le u c'est 1 sur t. Donc, ça donne u. Et le u c'est 1 sur t. Finalement,
Quatrième exercice, la même chose, quand t tend vers moins l'infini, alors le problème est ramené à 0, donc 1 sur t tend vers 0. Donc le 1 sur t ici joue le rôle de u, donc exponentielle u moins 1 quand u tend vers 0 est équivalent à u, à 1 sur t. Et voilà, ce sont des exercices d'application. Alors, à la prochaine fois, nous allons faire quelques exercices de plus en plus difficiles. On va voir les limites, un exercice sur le calcul des limites à l'aide des équivalents. Donc, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne pour recevoir davantage d'exercices de ce type. Il a l'air.